Yo les gens, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un pub de Bill Battle. Et oui, je sais que vous aimez ça donc on est parti. Mais aujourd'hui ça va être très sympa puisque je vais être à mon prime, vous allez voir. J'ai enfin retrouvé mon niveau et on va faire des builds de masterclass, vous allez voir. Let's go. Alors qu'est-ce qu'on a? Un burger? Pourquoi pas un burger? Ok, ouf. J'hésite à faire comment faire. Non, je vais faire un gros burger comme ça. Un peu gros mais c'est fine. Au départ je voulais faire un mec qui mange un burger. Mais je me suis dit qu'encore une fois, j'allais faire un truc trop gros, j'aurais pas le temps de le finir et après j'allais deck parce que comme d'hab, j'ai fait un truc trop gros. Donc ouais, alors là on va faire quoi? Faire un peu de salade qui... des bouts de salade. On va faire un gros steak bien épais. On va lui même mettre deux d'épaisseur au steak. Il mérite. J'ai envie qu'il soit appétissant ce burger. J'ai envie qu'il soit le meilleur burger de votre vie. Le plus dur, ça va être de faire un très très beau chapeau de truc quoi. Nickel. Ensuite, on va faire du coup, comme je disais, des graines de sésame. Et je vais aussi mettre purple custom schools color. Alors, ok. Vous savez quoi, on va pas le regarder. On le découvrira seulement lorsque ça passera. Ce sera notre tour. On le découvrira à ce moment-là. Bon. C'est dommage que son steak. Enfin, pourquoi c'est fait en viande son pain? Et pourquoi il est tout plat? C'est plus un sandwich qu'un burger, mais bon. Ça va. Waouh! Après, j'aime bien le fait que ça coule, mais à part ça, c'est horrible. C'est un cube, quoi. Waouh! Bon, ça, par contre, il est immonde, malheureusement. Bon, celui-là, il est pas trop mal. Disons que le ratio salade, tomate, viande est pas bon. Mais c'est un burger. C'est un burger aussi. Dommage que, ouais, le niveau des couleurs, c'est pas fou, du coup. Ok, bon, lui, il a fait des couleurs similaires. C'est un peu plat, quoi. Il manque de goût, quoi. Il est sec, il y a pas grand-chose dans ce burger. On aime pas. Alors. Oh, mama! Qu'est-ce qu'il est beau ce burger. Encore non, il manque de volume, mais il est pas mal. T'as même pas de légendaire quoi, je méritais. En vrai non, pas sûr. Mais il est... Si je gagne pas, c'est honteux. Après, à voir ce qu'il y a. À voir ce qu'il y a encore. Ça c'est pas un burger, c'est genre un sandwich quoi. Celui-là il est pas mal. Et il y a une petite frite. Bon, il y a 3 frites par contre, elle se bat en duel. Hein. Celui-là il est immonde. Dégueulasse. Pourquoi il y a du moisi là? Elle est moisi la viande, hein. Elle est pas cuite en fait. Le problème c'est que non seulement le Bob l'éponge est moche, mais le burger est moche aussi en fait. Bon là on a malheureusement un attardé profond, ça arrive hein, on en a toujours. Et je gagne, voilà, avec une avance, pas autant d'avance que ce que j'aurais voulu, mais bon. C'est mérité. Là je suis content, j'ai enfin fait un build qui était bien mérité. La victoire était pas mal. Si j'avais plus de temps, j'aurais mis un deuxième pâtier. Mais il est bien mérité lui. Turtle, pourquoi pas? Je sais que ça va être moche si je le fais, mais je vais essayer au moins. Un animal qui est pas dans Minecraft, c'est toujours plus intéressant. On va la faire plutôt un peu en hauteur. Déjà, essayer de faire la carapace. Comment est-ce qu'on fait une belle carapace? En termes de forme, on va faire un truc comme ça. C'est de galère, mais bon, on va essayer de faire notre mieux. Bon, sachant qu'en anglais, turtle, ça veut... Enfin, ça veut dire tortue, mais ça veut pas dire tortue de la même façon que nous. En anglais, il y a deux mots pour tortue. Il y a turtle, qui veut spécifiquement dire les tortues de mer. Et il y a, je crois, tortoise, un truc comme ça, qui veut dire les tortues terrestres, tu vois. Du coup, bah là, je dois faire une tortue de mer. Et c'est ce que je vais essayer de faire. On va se faire genre un bec, un petit peu. Et des yeux avec. Voilà, un peu l'air con, mais c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On est pas trop mal. Je pense qu'elle est pas mal. Faut juste que je puisse faire un truc un peu plus stylé. En vrai, elle est pas mal, hein, je trouve. Et juste pour ajouter... Attendez. Carpet, brown, parce qu'il y a un peu comme des écailles. Et du coup, on va terminer avec... Coral. Voilà, je pense pas mal. Je pense qu'elle fait largement le taf. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elle est écras... Enfin, ouais, c'est... C'est une tortue atrophiée, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un saut tortue, mais c'est malheureusement moche. Hein. Ça, c'est... On dirait un mix entre une tortue et... Je saurais pas dire, un dinosaure. Ouais, je sais même pas, en fait. Waouh. C'est une tortue ninja, mais ratée, quoi. Ou à Franklin, en fait. Attends, elle est stylée de fou, hein. Legendary, let's go. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Legendary. Et je pense que c'est mérité. De retour au Prime Bill Battle. Ça, c'est... On dirait qu'elle est garée. Ça, c'est... C'est horrible. Ensuite, ça. Mais... Le mec, il a tortue dans son pseudo, et c'est ça qu'il fait comme truc de tortue. Il a jamais vu tortue dans sa vie, hein. Pas trop mal, en vrai. Pas mal.
C'est pas une scène, mais c'est pas mal. J'aime bien la façon dont se fait la carapace. Sympa. Celui-là, malheureusement, c'est horrible. Ça, c'est simple, mais pas... Enfin, what the fuck, pourquoi est-ce que les yeux sont sur la carapace? On dirait une voiture. Et voilà, let's go. On a quasiment deux fois plus de points que les premiers. On a un banger de game, on est content. Qu'est-ce qu'on a? Scarecrow, pourquoi pas? Cobweb, pourquoi pas? Ah, mais on s'approche d'Halloween ou quoi? Il y a beaucoup de thèmes... Ça va être compliqué. Alors déjà, change backdrop. On va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Alors, ça va être compliqué ça, mais on va essayer de faire un truc stylé. Je vais essayer de faire un truc du genre... Une toile d'araignée sur une branche d'arbre, de laquelle serait accrochée une araignée, quoi. Tout simplement. Désolé, je galère à parler, à trouver mes mots parce que je réfléchissais à la gueule du truc. Bon, après, je suis pas très fort à ça. Autant je suis pas mauvais pour faire des grosses araignées, mais pour faire la toile d'araignée avec, ça, c'est pas une histoire. Donc, on va essayer. Alors, on va prendre la wool. On va dire qu'elle est en train de tisser sa toile, quoi. C'est pas encore. C'est un work in progress, sa toile. Après tout, ça peut être une araignée bourrée, hein. Elles sont pas forcément toutes très très bonnes dans le toile d'araignée making, hein. Ouais, ça va pas être une toile de fou, hein. Après, on va se dire qu'elle est en train de la faire, quoi. Voilà, c'est vraiment l'excuse qu'on va se donner. Et on va faire une très très grosse araignée. Et on va aller un peu plus bas. Alors, maintenant il me faut de la wool. Bon, je peux mettre assez de dieu, c'est pas très grave. Je vais faire des pattes. 4. Ah, c'est pas fou les pattes. Après, j'ai pas le temps de faire ce que je veux en fait. Enfin, de faire aussi bien que je voudrais. Ouais, ça fait le taf en vrai. Pas mal. C'est pas une scène, mais ça fait le taf. Le problème, c'est le nombre de pattes. En fait, moi, je suis très très... Je suis un rageux. Dès qu'il n'y a pas assez de pattes, ça me fait rager. Et là, il manque des pattes. C'est l'effort zéro. En soi, le thème, c'est cobweb pas araignée. Donc là, la cobweb, elle fait le taf. Hein. Je vais faire Minecraft avec des cobwebs, quoi. C'est... Waouh. Waouh. Ça, c'est... Mais ça a dû tellement être long à build de placer tous les blocs comme ça. Tellement chiant pour que ça ne ressemble à rien. Alors... Ça va être ok. Je sais pas, c'est quoi cette traînée jaune bizarre, là. Je ne veux pas savoir ce que c'est. What the fuck, c'est quoi l'araignée? On va dire que c'est que la tête et que le corps est derrière. Parce que là, ça va. Bon, c'est ok. Après, les pattes sont pas insane. Mais ça va, ça fait que c'est quand même pas mal. What the fuck, ça fait peur parce que... En soi, la façon dont les pattes sont faites, dont celles-ci sont grandes, on dirait un alien qui fait trop flipper. Ça manque de pattes, mais la cowboy est belle. Enfin, j'aime bien l'ambiance. Et j'ai encore gagné, putain. 10 points d'avance, ça va. Je suis on the roll. Après, la cobweb est pas folle, c'est un petit peu du cheat que j'ai fait parce que c'est du hors-sujet. Après, une araignée et sa cobweb, c'est ok. Bon, j'en fais une last lunchbox, pourquoi pas. Et je fais un bento. Lunchbox, let's go. Après, est-ce que je vais réussir à faire un bento? Ça va être compliqué, ça. Hein. La nourriture, en général, ça peut être fun à faire, quoi. Quand c'est pas un truc qui est genre trop plat ou quoi, genre si c'est juste un fruit, tu dors, quoi. On va mettre une section pour le riz. Comment on fait du riz, par contre? White. On attend entre ça et ça. Fait du riz. Ensuite, let light coupé en deux et encore en deux. Voilà. De ce côté-là, ça peut être de l'espèce de soupe ou du curry ou je sais pas quoi. Donc, avec du brown. Et je vais mettre genre un petit peu de. Pourquoi pas des particules, genre de la fumée. Ouais, ça, ça. Voilà. Ensuite, là on peut mettre des trucs genre une feuille de salade et des espèces de calague. Voilà. Et ensuite, on prend des heads. Ensuite, on met ça là et on va faire des baguettes. Ouais, je pense que ça fait le taf. Hein. Je sais pas si c'est fou, mais on dirait que ça fait le taf. Ah, je passe au premier, c'est pas fou. Pas avantageux. En vrai, c'est pas mal. J'aime bien. Petit bento. Ça, c'est très mid. J'aurais aimé passer. C'est jamais bien de passer en premier parce que les gens ils vont se dire ouais, c'est mid. Puis après, les autres trucs vont être encore pires, mais ils vont quand même voter mid. Et du coup, c'est pas avantageux. Genre, si j'avais passé après ce truc-là, les gens ils seraient dit oh putain, c'est trop bien. Parce que ça, c'est tellement nul. Bah, le problème, c'est que la lunchbox en elle-même, elle est pas folle. Hein. Après, cela dit, le perso est sympa et le sandwich est cool. Donc, je mets ok. Ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul. C'est pas une boîte, c'est tout plat. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas gagner cette game, je le sens déjà. Je le sens déjà que j'ai pas gagné. Mais ça pareil, est-ce que c'est... Elle est où la boîte? C'est juste des sandwichs là. Ça c'est... Enfin, il a posé des blocs et des blocs. Dans lunchbox, il y a lunch. Ah mais il y a surtout box. Ok, je gagne quand même. Ouf. J'ai eu peur.
je méritais victoire. Bah après, c'est normal, vous méritez le deuxième et le troisième, je pense. Hein. Même si c'était pas exactement le truc, vu à quel point tout ce truc c'était vraiment nul, le build de moi a été correct. Enfin, il était même sympa. Donc ouais, je suis content, on a fait 3 bonnes parties du battle. What the fuck, 3 victoires. Et 3 victoires méritées. 3 victoires méritées, dont un Legendary. Du coup, on va se laisser là. Merci d'être passé et bonne soirée. Ciao, ciao.